Qui est là? Tania, qu'est-ce que j'ai fait pour endurer ça? Ça suffit! J'en ai marre! Oh, maman! Ah, t'as peur, hein? Michael! Oh, Michael! Il me laisse pas tranquille! Quoi? Mais c'est elle! Elle n'arrête pas de me casser les pieds! C'est un menteur! Michael, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je veux que tu nettoies ça et que tu te laves la figure. Je t'ai bien eu. C'est presque aussi bien que ton anniversaire. Ouais, bon anniversaire, Michael. Allez, on fait cadeau. Dis donc, t'as été gâtée cette année. C'est trop. En tout cas, qu'est-ce qu'on rigole. Eh oui, je parie que c'est un CD. Non, Josh, c'est un ballon de foot. C'est super, merci Mona. Je l'avais pas celui-là. C'est normal, t'as dit que c'était lamentable et tu l'as jeté. Mais maintenant, il va sûrement l'adorer. Voilà ce que c'est, l'amour. Il est amoureux. Michael, tu veux venir m'aider pour le gâteau? Ah ouais, je veux aller un peu aussi, moi. Ah ouais, c'est ce que j'aime le plus. Maman, je veux pas que Tania reste avec nous, elle va tout gâcher. Mais tes amis ont l'air de la trouver très amusante. Oui, mais c'est mon anniversaire. Michael, veux-tu apporter ça? Je vais chercher les bougies et tu pourras faire un vœu. Ah, eh bien, j'ai déjà fait un vœu, mais Tania, la terrible, est encore là. Le gâteau! Le gâteau! Oh, le gâteau! Attention, petit. Bon, ça faisait vraiment longtemps que j'attendais ça. Une horloge? Une affreuse horloge. Ah, elle est magique, en tout cas. Magique, tu dis? Ça, c'est ce qu'Anthony l'Antiquaire prétend. Papa, ils servent à quoi, ces chiffres? Ils indiquent les années. C'est génial. N'y touche pas. Et en quoi cette horloge est magique? Eh bien, la légende dit qu'un étrange individu a construit cette horloge il y a plus de 100 ans déjà. Et il a placé un sort à l'intérieur. Mais on dit que celui qui découvrira ce mystérieux secret devra se méfier. Oh ! Elle marche bien, hein ? Anthony m'a dit qu'elle avait un petit défaut, mais il ne m'a pas dit lequel. Ah, Tania, ça suffit ! Bon, écoutez. Je ne veux voir aucun de vous deux aller mettre les doigts dans cette horloge. Compris? Oui, papa. Jessie. Tania? Oui, papa. Il me semble t'avoir dit de ne pas y toucher. Si jamais il y a quelque chose de cassé dans cette horloge, tu auras de sérieux ennuis. Oui! Thank you.
Il faudra l'expliquer ce coup-là, Tania. Hey, papa, comment va l'horloge? Qu'est-ce que vous faites? Mon anniversaire, c'était il y a 3 jours. Tu sais, je vais assister à ta petite fête. C'est ça, vraiment très drôle ce gag. Dis-moi ce que tu veux pour ton petit déjeuner, parce que tes amis vont bientôt arriver et il faut que je passe prendre le gâteau. Ça va, c'est bon, la blague est terminée. Quelle blague? Hé, hey, Diori, je parie que c'est un CD. Non, Josh, c'est un ballon de foot. Ah, c'est super. Merci, Mona, je l'avais pas, celui-là. C'est normal, t'as dit qu'il était lamentable et tu l'as acheté. Mais maintenant, il va sûrement l'adorer. Voilà ce que c'est que l'amour. Alors ça, c'est bizarre. Tout se reproduit exactement de la même manière. Michael, tu viens m'aider pour le gâteau? Le gâteau, Tania. Ah non, pas cette fois. Michael, veux-tu emporter ça? Je vais chercher les bougies et tu pourras faire un vœu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être que je deviens fou. Ça suffit, Michael. Ça commence à être fatigant, cette histoire. Eh bien, moi, je vous le dis, je suis comme décalée dans le temps. Oh, il n'a pas de fièvre, on dirait. Mais je ne suis pas malade. Je vois que tu n'as pas aimé ton anniversaire. C'était idiot d'en faire 2. Écoutez, vous feriez mieux de me croire. Je m'en souviens, c'était il y a 3 jours, quoi. Michael, essaie de dormir, s'il te plaît. Tu te sentiras sûrement mieux demain matin. Comme je le dis toujours, demain est un autre jour. Eh bien, j'espère. Tu as, mon chou? Tu as fait un mauvais rêve? Oh, je crois savoir ce que c'est. Tu es très excité parce que c'est la veille de ton anniversaire. Il est plus de minuit, c'est déjà demain. Joyeux anniversaire, mon chou. Mon petit Mike a 6 ans aujourd'hui. 6 ans? Ah! Et qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Tes cheveux! J'ai pas 6 ans, j'ai 12 ans. Oh, mais si, tu as 6 ans. Non, j'ai 12 ans. Chérie, c'est son anniversaire, laisse-le avoir l'âge qu'il veut. Et là, une minute, si j'ai 6 ans, où est Tania? Qui c'est, Tania? Oh, Tania, c'est sa petite amie invisible. Il a une petite amie invisible? Dis-moi, Michael, à quoi elle ressemble, cette amie? Tania n'est plus là. Elle a disparu. Ça veut dire que ça va être mon tour. Michael, ferme la porte du bureau et va vite dormir. On est en train de remonter le temps? Quelle imagination! Nous avons un écrivain en puissance. Ça peut faire une nouvelle de science-fiction géniale. Le temps qui file à l'envers. À l'envers? La tête du coucou. Ça doit être ça. Il faut que je la remette à l'endroit. Michael! Michael! Elle est plus là! La grande horloge est plus là! Horloge. On n'a jamais eu de grande horloge. Oh, stupide! On ne dit pas à son père qu'il est stupide. Non, pas lui, moi. Papa va sûrement pas en racheter une autre avant 6 ans.
Il doit avoir de la fièvre. Le magasin d'antiquité. C'est là qu'elle est, c'est là qu'il faut que j'aille. Le seul endroit où tu dois aller, c'est au lit, jeune homme. Il est tard. Lâche-moi. Et on ne veut pas avoir un petit garçon grincheux pour son anniversaire. Joyeux anniversaire, petit. T'aimes les girafes? C'est sympa, les girafes. C'est dur d'avoir 12 ans et d'être coincé dans le corps d'un enfant de 6 ans. Où est-ce que tu préfères? Je me demande pourquoi il fait casse-tête. Une jolie fièvre. Peut-être que tu n'aimes pas le clown. Bon, moi j'ai terminé. Ça va pas, Michael? Je vais vous laisser. Il faut que j'aille tout de suite au magasin d'antiquités. C'est quoi les antiquités? Je vais rajeunir en fin de journée. Non, tu vas vieillir puisque c'est ton anniversaire. Tu comprends pas. Aujourd'hui, j'ai 6 ans et demain, je serai peut-être plus rien. Je pourrai avoir tes cadeaux quand tu seras plus rien. Tu peux les avoir tout de suite même, si tu dis pas à maman où je suis allée. Salut les copains, je vous laisse. Où tu vas? C'est pas grave, on prend tout. Hé, petit, est-ce que t'as l'heure? Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Oh, c'est fermé, oh non. Non. Papa. Tes amis m'ont dit que tu étais là. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'avais pas à partir comme ça. Papa. Tu sais que tu n'as pas le droit de venir en ville, tout seul. Je suis très fâché contre toi. Il faut que j'atteigne cette horloge. C'est vraiment très important. Je n'ai pas envie de discuter. Je suis très déçu par ton attitude. Allez, viens. Ta maman se fait un sang d'encre. Ça m'est égal. Tu pourras garder tous les petits chiens, tous les charmants petits chiots avec des taches noires et blanches. Je garderai Clifford. Tu es d'accord? C'est la fin. Lis-moi une autre, papa. S'il te plaît, juste une dernière. Allez, s'il te plaît. Extinction des feux. Oh, il est encore réveillé. Il a peur de s'endormir. Michael, je veux que tu arrêtes avec cette histoire de voyage à travers le temps. Il n'y a aucune raison que tu disparaisses. Tania l'a fait. Arrête avec cette Tania. Qui est Tania? Chérie, peut-être que si tu lui lisais une dernière histoire, ça le calmerait tout à fait. Ça fait 2 heures que je lui lis des histoires. Oh. Papa, maman, vous disputez pas pour moi. Ça vaut pas le coup. Je ne resterai plus ici bien longtemps de toute façon. Oh, et pourtant, il n'a pas de fièvre. Écoute, mon grand, je vais laisser ta veilleuse allumée. Allez, sois gentil, s'il te plaît. Essaie de dormir. Hmm? Tout ira bien, il ne faut pas avoir peur. Bonne nuit, fiston. Non, pas bonne nuit, au revoir. Je suis encore en vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Des dinosaures qui tournent? Qu'est-ce que ça sent? Oh non! Oh! Est-ce que Michael aurait besoin qu'on lui change ses langes? Je vais lui expliquer qu'il faut que j'aille au magasin d'antiquités. Oh, bravo! Bon, j'espère que tu ne nous fais pas de la fièvre. Mais où elle va? Peut-être qu'il faut que je prenne ta température. Oh non. Alors, tout, mais pas ça. Qu'est-ce qu'il a, mon petit bonhomme? Sa température est normale. Alors, est-ce que mon petit Bouddha aimerait aller faire une jolie promenade en ville? Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais ça peut être intéressant, ça. Oui. Oh, même qu'on pourrait regarder les vitrées. De mieux en mieux. Et si on allait chez l'antiquaire, ça te dirait? Bravo. Qu'en dis-tu, chérie? On ne va pas chez Anthony. Quoi? Mais j'adore Anthony, qu'est-ce que tu as contre lui? Oui, mais qu'est-ce qu'elle a contre lui? Anthony est cher, je trouve qu'il exagère. Mais là, je te jure que ça n'a pas de prix. Peut-être qu'on va aller nulle part. Il a l'air très bien ici. Comment ça? Oh, il est en forme. Dépêchez-vous, on n'a plus beaucoup de temps. Allons chez Anthony, histoire de jeter un œil. Oui, c'est ça, allons-y, allons-y. Attention, virage sur la gauche. Attention, suis maman. Ah, regarde toutes ces jolies choses, Mike. Oui. Bonjour, Anthony. Où est l'horloge? Je veux voir l'horloge.
Nous aimerions jeter un coup d'œil sur les tables. Elles sont toutes ici. Ah, très bien. Elles sont à combien, Anthony? Oh, elles ne sont pas très chères. Plus qu'une minute, il faut que j'agisse. Maladroit. J'aime beaucoup ça, c'est super. J'aime assez ça, qu'est-ce que tu en penses? Attention au bébé! Michael! Michael, combien de fois je t'ai dit qu'il ne fallait pas toucher à cette horloge? Tu as 12 ans, alors agis comme tel. Non, je... C'est vrai, alors j'ai 12 ans? Oui, j'ai 12 ans, papa. Je t'aime, tu sais. Eh ben oui, je t'aime moi aussi, mais évite de toucher à mon horloge. Allons, messieurs, le dîner est servi. Maman! Maman, je t'aime, tu sais. Oh mon Dieu. Je vais chercher Tania. Mais qui est Tania? Quoi? Non. Michael, viens voir. Je crois que j'ai trouvé le défaut. Regarde, il manque l'année 88. Mais c'est l'année où Tania aurait dû venir au monde. Mais qui est Tania? Oh, c'est personne, papa. C'est personne. Eh, viens manger, jeune fou. Oui, j'arrive dans une seconde. Alors, c'est comme si Tania n'était pas née. Il y a sûrement un moyen de retourner dans le temps pour aller la chercher. Il n'y a aucun problème. Je le ferai. Mais je suis pas pressée.